Bonjour à tous, c'est Monsieur Sa et bienvenue sur Tech 3D Sport. Après avoir posé des bases relatives aux schémas électriques dans les deux précédentes vidéos, nous sommes suffisamment outillés à présent pour aborder le logiciel Schémaplique. Bien, l'interface se présente comme ça, l'interface du logiciel Schémaplique. Bon, ici, vous avez la version 3.0. Bon, il y a des versions beaucoup plus récentes qui existent, mais celle-ci est celle que j'affectionne un peu le plus. Bien, donc, sans tarder, nous allons cliquer sur Suite. Et à partir de là, on tombe sur les fonctions du logiciel. On a soit la conception et la simulation, soit on peut s'exercer ou encore passer en mode auteur. Le mode auteur vous permettra justement de créer vos propres exercices et aussi d'ajouter des photos relatives à certains appareils. Donc, s'il y a des nouvelles photos, des disjoncteurs et autres, c'est dans le mode auteur que vous pourrez les insérer. Bien, donc nous, on va débuter par cela, la conception et la simulation. Donc, on clique et là, on doit choisir la bibliothèque entre énergétique et électrotechnique. Donc, compte tenu des bases qui ont été posées dans les deux premières vidéos, nous allons poursuivre avec électrotechnique, puisque c'est plus en rapport. Donc, ensuite, on va cliquer sur simulateur électrotechnique. Donc, on vient sur cette interface-là, où vous avez la barre des menus et certains outils. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'abord le mode. Bon, ça, vous savez, c'est pour ouvrir un fichier, enregistrer, imprimer. Ici, c'est pour passer en mode simulation, après avoir dessiné et autres. Donc, par défaut, lorsque vous ouvrez, vous êtes déjà dans le mode dessin, c'est-à-dire conception. Donc, c'est ici, dessin. Quand on a fini de dessiner, on clique ici pour passer en mode simulation. Donc, on va dessiner d'abord. Ici, c'est pour changer la position des appareils, pour faire une orientation horizontale ou verticale. Ici, c'est pour zoomer arrière ou dézoomer avant. Insérer du texte, insérer un cadre pour supprimer. Et ici, vous avez la bibliothèque. Vous avez un peu tous les composés, les appareils répertoriés ici. Et ici, c'est pour visualiser en photo, par exemple. Si vous avez un appareil, vous voulez voir comment, à quoi il ressemble physiquement, c'est ici qu'il faut cliquer. Et là, à la fin, vous avez le chronogramme. Dans la simulation, vous aurez peut-être besoin de voir comment évoluent les courbes relatives à votre installation, par exemple. Bien. Donc, nous, on va essayer de faire une petite application relative à, je veux dire quoi, une installation industrielle. Nous avons dit dans les cours précédents qu'ils étaient constitués de deux circuits, un circuit de commande et un circuit de puissance. Donc, nous allons essayer de concevoir un circuit de puissance d'abord. Pour cela, il faut venir dans Bibliothèque, cliquer et chercher une source. Par exemple, vous avez plusieurs sources d'alimentation. Nous, on va prendre une triphasée avec neutre. Vous avez vu, lorsque vous prenez, par défaut, vous avez une orientation horizontale. Donc, si on veut que ce soit vertical, on vient ici. Donc, ça s'oriente automatiquement. Et à partir de là, on va choisir par exemple une protection. Dans la bibliothèque, remarquez également que tous les appareils sont répertoriés par ordre alphabétique. Donc ça facilite un peu plus la recherche. On vient à protection. On peut prendre par exemple les disjoncteurs. Un disjoncteur triphasé, tripolaire autant pour moi. Ensuite, on peut prendre les contacteurs. Le contacteur n'est pas dans la protection, encore une fois. Donc, c'est un appareil de commande. Il sera ici. Contacteur. Vous avez des bobines de contacteur qui vont nous servir dans la partie commande, le circuit de commande. Donc, voilà. On place KM1, on valide. Ensuite, on aura besoin d'un relais thermique. Relais thermique magnétique. On va prendre thermique. Ensuite, on va prendre par exemple des bornes. Voilà. On dépose. On peut prendre un moteur.
moteur ou horloge, on va prendre un moteur triphasé. Ici. Et maintenant, il faut lier les appareils. Pour ce faire, on va pointer la souris et vous voyez, le pointeur va prendre une forme de croix. Une fois que c'est fait, ça nous montre qu'on peut cliquer. Donc, il faut faire un clic. Vous avez vu la liaison se crée. Et on vient, une fois que le plus apparaît encore, la croix apparaît, on fait un deuxième clic. La liaison est créée. Et on n'a plus qu'à répéter l'exercice. Bien. Nous avons notre circuit de puissance relatif au démarrage d'un moteur asynchrone, un seul sens de marche. Donc, il ne nous manque plus qu'à réaliser le circuit de commande. Pour ce faire, on peut partir par exemple d'un relais thermique ou encore d'un transfo et autres. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire simple parce que ce montage ferait l'objet d'un autre chapitre, d'un autre cours. Donc, on va prendre un relais, mais cette fois-ci, on va prendre juste un contact, par exemple, qui est normal fermé. On va le positionner. On valide. On va chercher des boutons poussoirs. D'abord, un bouton poussoir arrêt. Ensuite, un bouton poussoir marche. Et là, on va prendre un contact. Le contact. Contact donc, qui va appartenir à notre contacteur KM1. Ensuite, on va prendre une bobine, bobine du contacteur. Voilà. Nous l'avons là. Il n'y a plus qu'à faire la liaison. Et maintenant, on peut le raccorder, c'est-à-dire tirer le neutre à ce niveau. Et une des phases, justement, pour alimenter, pour la protection, mieux vaut prendre après le disjoncteur. Peut-être que là. On peut mettre des voyants pour signaler, par exemple, l'alimentation du circuit. Lampe, et voilà. 230. Voilà. Nous avons pratiquement terminé. Et là, il n'y a plus qu'à simuler. Nous venons, nous passons en mode simulé, simulation. Là, on va fermer, par exemple, le disjoncteur. Vous avez vu que la lampe s'allume. Ça veut dire qu'il y a présence de tension. En rouge, je veux dire quoi? C'est l'alimentation. C'est le passage du courant. En bleu, c'est froid. Donc, c'est-à-dire que le courant n'a pas encore traversé. Donc, on va appuyer, par exemple, sur. On voit que le moteur se met à tourner dans un sens. Bien.